Bonjour, aujourd'hui on va faire ensemble un bandeau. Ce bandeau avec ce joli point, avec un très joli point, et qui a un nœud qui l'embellit. Et puis on va faire les mitaines qui vont avec. Pour cela, on aura besoin de fil. Moi j'utilise un fil qui se vend au kilo. Donc, et je vais le crocheter avec le crochet numéro 6. On aura besoin de ciseaux pour couper les fils et une aiguille. C'est tout. Donc on va commencer tout de suite. Bon, on va commencer le travail en faisant des mailles. Tout d'abord, on commence par faire un petit nœud. Le nœud, on le fait comment? On fait comme ça. Je fais comme ça, un nœud. Regardez. Puis j'introduis ce petit fil à l'intérieur du cercle. Et je ferme. Voilà, mon nœud. Et dans le nœud, je fais entrer mon crochet. Voilà, j'ai fait un nœud. Maintenant, on va commencer à faire les mailles. Les mailles, donc vous faites un jeté, vous tirez une boucle. Voilà, vous avez une maille là. Donc, on fait un jeté, on a une boucle. Pour faire le bandeau, on va faire 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. Donc on a nos mailles. On va commencer le premier rang. On commence par faire une maille chaînette. Hein, une autre maille qu'on ne va pas travailler. Juste pour tourner. Donc, et là, la première maille, je vais faire une maille coulée. Comment on fait la maille coulée? J'introduis le crochet dans la maille, à l'intérieur de la maille, je fais un jeté, je tire une boucle et puis je laisse tomber l'autre boucle. Dans la deuxième maille, je vais faire une demi-bride. Donc je fais un jeté, j'introduis le crochet dans la maille et je prends encore le fil pour tirer une boucle et là j'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les trois. Je fais tomber les trois boucles. Voilà, ça. La première, c'était une maille coulée. La deuxième, c'était une demi-bride. Je fais encore une maille coulée dans la troisième maille. Donc, j'introduis le crochet. Je vais aller chercher le fil. Je tire une boucle. Et non, je ne fais pas de jeté. Donc, je prends une boucle. Je recommence. Donc, j'introduis le crochet dans la maille, je vais aller chercher le fil pour prendre une boucle et là je fais tomber l'autre boucle. Ça c'est la maille coulée. Pour la demi-bride, je fais un jeté et j'introduis mon crochet dans la maille, je tire une boucle, voilà, j'ai trois boucles maintenant sur le crochet, je fais un jeté et je fais tomber les trois boucles en même temps. J'ai deux brins de fil, c'est pour ça que des fois je prends qu'un seul. Je tire, je laisse tomber les trois boucles et je recommence une maille coulée, et je vais faire encore là une demi-bride. Donc, comment se fait ce rond? Donc, ce premier rond, il est toujours un peu difficile, le premier rond. Donc, voilà, le premier rond, on commence par une maille coulée. La suivante, c'est une demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride. Ça va être comme ça tout le long du rond. La dernière maille, ça va être une demi-bride. Donc là, j'ai fait une demi-bride. Et la suivante, dans la maille suivante, ça va être une maille coulée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. J'atteins ma dernière maille et là je vais faire, parce que avant j'ai fait une maille coulée, là je vais faire une demi-bride. Donc j'ai fait un jeté, j'introduis mon crochet dans la dernière maille et je tire une boucle. Voilà, ma boucle elle est là, je la mets sur mon crochet et j'ai trois boucles.
je vais les faire tomber. Ces trois boucles, je vais les faire tomber en même temps. Donc, je fais un jeté et je fais tomber les trois boucles. Voilà. Voilà ce qu'on a obtenu pour ce premier rang. L'autre côté. Et là. Donc, pour passer au deuxième rang, je fais une maille chaînette. Une maille. Et puis, je viens dans la première maille. On a dit pour ce travail que la première maille se tricote toujours une maille coulée. La première, on commence par une maille coulée, on termine par le rond par une demi-bride. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais introduire mon crochet. Où sont mes mailles d'abord? Parce que là, hein, on est un peu perdu, on voit pas très bien. Mais là, si je fais comme ça, je vois mes mailles, elles sont là. Donc ma première maille, elle est là. Ma première maille, elle est là. Donc je vais tirer le fil, hein, et j'introduis mon crochet dans ma première maille, hein, vous voyez. Donc je tire une boucle et je fais sortir celle que j'avais sur le crochet. Voilà, pour la deuxième maille, elle est là, je tourne et je la vois très bien. Donc je vais aller nulle part. Regardez, j'introduis mon crochet dans ce petit trou, c'est ça la maille, elle est là. Donc je vais faire un jeté d'abord parce que là je dois faire une demi-bride. J'introduis mon crochet et je tire une boucle et je laisse tomber les trois boucles. Voilà. Pour la maille suivante, elle est là. Je ne touche pas ce fil. Hein. Ce fil, c'est celui qui va nous donner ce joli motif. C'est lui qui va nous... Regarde, il est là. Je vais vous montrer sur ma mitaine grise. Hein. Il est là, c'est ce fil-là. On ne le touche pas parce que sinon, vous perdez, le motif ne sera plus le même. Donc, pour faire notre maille coulée, on a notre fil, il est là, mais la maille, elle est là. Donc, j'introduis mon crochet sous la maille, je tire une boucle et je laisse tomber la boucle que j'avais sur le crochet. Voilà. Donc, la suivante, elle est là et le trou, il est là, il est tout petit là. Hein, juste au départ de ce fil. Et j'introduis mon crochet pour faire une demi-bride. Là, c'est la suivante. Ce sera une maille coulée. Là où il y a le fil, ce sera une maille coulée. Je ne touche pas ce fil, mais je vais sous la maille. Et je tire une boucle pour faire ma maille coulée. La maille suivante, elle est là. Hein, là, elle est là. Et la base, elle est... Il est au départ de ce fil, donc je fais un jeté et je vais aller faire introduire mon crochet ici pour faire ma demi-bride. Voilà. Et la maille coulée comme ça ici, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond. Après, ce sera plus facile, comme je vous dirais. Là, ce sera une demi-bride. Là. Là où il y a le fil, ce sera une maille coulée. Ce sera une maille coulée. Et comme on a dit, la dernière maille, c'est une demi-bride. Donc, elle est là. Elle est là. Donc, j'introduis mon crochet sous la maille et je fais ma demi-bride. Voilà. Ça y est, on a fait notre deuxième rang. Là, pour passer à l'autre rang, je fais une maille chaînette et je tourne mon travail. Regardez comment ça se présente le travail. Il y a ce fil qui va être dans le motif. On ne le touche pas parce que les mailles, elles sont là. Les mailles, elles sont là. Et ce fil, il est là. Donc, il ne faut pas le tirer. Vous ne pensez pas que c'est ça la maille. Non. La maille, elle est là. Elle est plutôt là. Elle est plutôt là. Regardez. Si vous regardez ici, si vous regardez comme ça, vous penserez que c'est ça la maille. Hein? Ça, la maille. Non. La maille, elle est là. Votre maille où vous devez travailler, elle est là. Donc, ce fil-là, on ne touche pas. C'est pas ça la maille. C'est pas ces deux fils qui font la maille. Ce fil-là, il fait partie du motif. La maille, il faut tourner un peu le travail comme ça et vous verrez votre maille. Elle est là. Donc, c'est ici que vous allez faire votre maille coulée. La suivante, la maille suivante, elle est également là.
vous tournez un tout petit peu le travail, vous la verrez, elle est là. Et devant, c'est juste ce petit trou. Hein. Vous pouvez introduire votre crochet facilement sous la maille là-bas. Donc, et faire votre demi-bride. Et là, ce sera ma maille coulée. Pas comme ça. Je prends pas comme ça. Je vais ici et sous ces deux brins, ces brins-là, j'introduis mon crochet et je fais ma maille coulée. Là, ce sera, comme on a dit, regardez, elle est là et le petit trou est juste là. Donc, j'introduis mon crochet et je fais ma demi-bride. Voilà. Quel est le truc pour, à savoir pour ce motif? C'est que quand vous verrez ce fil-là en dessous de la maille, c'est que vous devez faire une maille coulée. Là où il y a la maille, elle est là, et il y a ce petit trou, là on fait demi-bride. Là, c'est maille coulée, là, c'est demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride à la fin. C'est comme ça. Donc là, vous risquez pas de vous tromper si vous faites attention à ça. Parce que sinon, on se perd un peu. Regardez. Même si je pose mon travail, je reviens, je sais. D'abord, je regarde ici, c'est pas une maille coulée, ça se voit que c'est une demi-bride. Mais en plus, il y a ce fil-là qui va me dire que cette maille va être crochetée, maille coulée. Et c'est ça. Donc, là, demi-bride. Et on continue le travail jusqu'à atteindre votre tour de tête. Le bandeau doit être assez large. Le bandeau doit être assez large et assez grand pour faire le tour de votre tête et couvrir vos oreilles. Et c'est tout, hein? Pas plus large que ça, parce que même s'il y a ce nœud, ça va pas prendre beaucoup de place. Et c'est mieux quand c'est un tout petit peu serré. Voilà, j'espère que vous avez compris le point. Donc là, c'est ma maille coulée. Et là, je vais faire demi-bride. Et là où il y a ce fil, c'est maille coulée. Et je termine mon rang par une demi-bride. Donc les choses à se rappeler, c'est que vous devez commencer votre rang par une maille coulée, le finir par une demi-bride, et savoir que quand il y a ce fil, la maille qui est en dessus, c'est une maille, elle doit être crochetée maille coulée. Là où il y a juste le petit trou, c'est une demi-bride. Vous faites ainsi, vous faites le tour de votre tête et on se verra pour finir. Voilà, j'ai fait 36 rangs. 36 rangs pour, et j'ai terminé. Donc j'ai arrêté le travail, j'ai coupé le fil, mais j'ai laissé. J'en ai laissé assez pour faire les coutures. Donc les deux côtés sont la même chose. Le travail, c'est la même chose. Donc on prend notre bandeau, hein, le bandeau il est comme ça, vous pliez un côté en deux, l'autre côté aussi, et vous venez, vous prenez comme ça et vous introduisez l'un dans l'autre comme ça, et on peut commencer les coutures. Essayez de prendre de bien les agencer ensemble comme ça, et puis on va faire les coutures des quatre côtés en même temps. Dans les quatre pans, dans les quatre parties. Je prends ce bout de fil que j'avais au départ, je peux le mettre à l'intérieur, comme ça je le cache. Je repasse encore une fois pour assurer mon travail. Voilà.
On a fait les coutures. Qu'est-ce que je fais? Je tourne mon travail. Je le tourne comme ça. Et voilà. Regardez. C'est pas joli. C'est très joli. Portez. Maintenant, on va passer aux mitaines. Pour le bandeau gris, on va faire les mitaines. On va faire ensemble les mitaines. J'ai déjà fait une. On peut introduire la main sans problème. Même la mienne, sans problème. Et puis, le pouce passe par ici. Donc, on va faire ensemble la deuxième mitaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le haut. J'ai commencé la mitaine par cette partie. Puis faire le point et après faire ce point de bride en relief. Voilà, les brides en relief, en haut et en bas. Voilà. Donc, on commence comme on a fait tout à l'heure. On commence par faire un nœud. On va crocheter nos mitaines en aller-retour. Donc, je commence par faire des brides. Combien de brides je vais faire? C'est comme ça, un jeté, vous tirez, un jeté, vous tirez, un jeté, vous tirez. Vous avez votre boucle, voilà. Un jeté, vous tirez une boucle. Un jeté, vous tirez la boucle, voilà, c'est comme ça les mailles. Je vais faire, et puis je vais mesurer le tour de ma main dans la partie la plus large. J'ai deux points donc. Je travaille, je mesure en même temps. Voilà, ça fait le tour de ma main. C'est bien. Comme ça, même si c'est ça va devenir un tout petit peu serré, c'est bien, ça me tiendra plus chaud. Vaut mieux que ce. Donc j'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Moi j'ai 20 mailles là et je suis en train de crocheter avec un fil et un crochet numéro 6. Donc une vingtaine, je peux... Bon, c'est bon, une vingtaine, ça va. Non, je fais une 21. Voilà, là cette maille. Hein, pour commencer le travail, donc cette maille, je commence pas, je vais dans la deuxième et je vais faire ma maille coulée. Dans la suivante, je fais ma demi-bride. Maille coulée. Demi-bride. Une fois, je fais une fois une maille coulée et une fois je fais une demi-bride. Donc j'arrive à la dernière maille et je vais faire une demi-bride. Je mesure encore une fois. Oui, ça va. Ça va. Donc je fais une maille jetée, je fais une maille jetée, une maille chaînette et je commence mon travail. Comme tout à l'heure, les mailles sont en haut, donc je commence le rond par une maille coulée. La suivante, c'est une demi-bride. Et ainsi de suite. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, comme ce qu'on avait fait dans le bandeau. Donc on travaille jusqu'à... Si ma mitaine... Je les veux ici, arriver ici, donc je crochète jusqu'au poignet. Après, je vais changer de point. Donc, on crochète jusque là et on se retrouve. Pour les mitaines, j'aurais fait jusque là 9 rangs. Je fais ma dernière maille. Et j'arrête le travail au point fantaisie. Et je passe pour faire la bordure. La bordure d'en bas et je vais la faire en bride en relief. Donc
Je fais une maille chaînette, je tourne mon travail et je commence par faire des brides. Des brides, le premier rang, c'est des brides simples. Je m'introduis dans chaque maille. Et je fais, dans chaque maille, je fais une bride simple, le premier rang, pour faire la bordure. Tout ce rang, on va dans cette maille et on fait une bride. On n'oublie pas celle-là. Hein, c'est une maille, on n'oublie pas, c'est là où on faisait la demi-bride, donc faut pas l'oublier. Je fais aussi des brides, une bride, celle-là, une bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond. Rien que des brides simples. Regardez la bordure, pour moi, j'ai fait aucune diminution ni rien, rien qu'avec la bordure, ça me va. Hein. Donc ça me va, et en plus, quand vous introduisez votre main, c'est facile. Quand il n'y a pas de diminution, c'est facile. En plus, c'est pas large, c'est pas très, regardez, ça n'a pas l'air large. Donc c'est pour je fais comme ça, je fais cette bordure à la fin sans faire de diminution. Si vous trouvez que ça va être large pour vous, vous pouvez diminuer une maille ou deux, pas plus, sinon vous aurez des difficultés pour introduire votre main dans la mitaine. Là, je fais une maille en l'air et je vais travailler, je fais un jeté, je passe sous la maille et je fais une bride. Je fais un jeté, j'introduis mon crochet avant la maille, je le sors après la maille et je fais une bride. Voilà, je fais un jeté, je recommence, je fais un jeté et j'introduis mon crochet avant la bride, je le sors juste après. Là, c'est maille relief en avant, donc, et je tire le fil et je fais une bride normale après. Je travaille comme pour une bride normale. Donc, pour la suivante, c'est une bride arrière, en relief arrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un jeté. J'introduis mon crochet avant la bride, je le sors après, je tire le fil, j'ai trois brides sur le crochet, donc je continue comme pour une bride normale. Je laisse tomber deux, ensuite je laisse tomber les deux dernières. Je recommence, là, une fois, je fais une bride en relief avant, une bride en relief arrière, bride relief avant, arrière, et ainsi de suite, tout le rond. Donc là, la suivante, ça va être une bride relief avant. Donc, je recommence. Qu'est-ce que je fais? Je fais un jeté, j'introduis mon crochet avant la bride, je le sors après la bride, je prends le fil, je tire, j'ai trois boucles sur le crochet. Je continue comme pour une bride normale. Voilà. Pour la suivante, une bride arrière, j'ai fait un jeté, j'introduis le crochet avant la bride par derrière et je le sors. Je prends le fil, je tire et je continue comme pour une bride normale. Voilà. Et ça va donner ça, une bordure comme ça et assez élastique. Donc on n'aura pas de problème pour introduire notre main. Donc on continue comme ça jusqu'à la taille souhaitée. Voilà, je termine mon rang. Je fais une maille chaînette, je tourne mon travail et je recommence. Là, c'est une... Regardez. Pour savoir, les brides en arrière reculent un petit peu. Donc, celles qui se mettent devant, je fais comme ça. Hein. Donc, je mets la bride en haut. Bride avant, on relève avant ou devant. Et là, c'est la bride arrière. Donc, j'introduis, elle reste derrière le crochet. Bride en relief derrière. Là. Ou arrière.
Voilà, je fais comme ça. Celles qui sont comme ça, celles qui sont comme ça, qui sont apparentes, on les prend, on introduit le crochet, elles restent devant le crochet. Donc. Et celles qui sont un peu en arrière, qui restent en arrière, on introduit, le crochet vient devant la maille. Celle-là, je fais un jeté et le crochet derrière, elle est en relief avant. Voilà, on va finir ce rang, on fait un jeté et on recommence, on fait la même chose. Vous faites la bordure, le nombre de rangs que vous voulez. Pour ma part, c'est pas beaucoup, je crois que j'ai fait 4 rangs, c'est tout. Voilà, j'ai presque terminé, il me reste de faire un rang et on termine et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le nombre de rangs qu'il me faut pour ma bordure. Alors je vais couper le fil. Voilà. Et j'assure la fin. Je vais plier mon travail en deux, comme ça. Je vais le plier en deux. Puis je vais commencer les coutures. Mais avant de commencer les coutures, je vais chercher comment vous faites comme ça. Et vous regardez où se trouve la bordure comme ça. Vous commencez la bordure ici. Et puis vous regardez où va se situer votre pouce. Donc, moi mon pouce. Et vous prenez un marqueur. Vous venez l'introduire là où vous pensez arrêter votre travail pour le pouce. Pour laisser une ouverture pour le pouce. Donc je fais comme ça. Même si vous trouvez que c'est un peu dur de tirer sur le travail, c'est pas grave. Après, les mitaines vont être bien serrées et bien ajustées. Pas serrées, mais ajustées plutôt. Donc je fais comme ça. Et je viens là. Ici, je termine l'ouverture de mon pouce là. Et je mets un autre marqueur. Quand vous faites comme ça, on va faire les coutures ici. On va faire une couture ici. On laisse cette ouverture, on fait une couture ici. C'est les mitaines les plus faciles et les plus rapides à faire. Okay? Donc, je commence la couture. Vous faites la couture comme d'habitude, comme vous savez faire. Moi, je prends maille par maille, je vais dans la maille et je vais dans l'autre ici. Voilà, ce travail est terminé pour aujourd'hui. Donc, c'est très facile à faire, très rapide. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.